No, no, no. No? On va poser la pareille. Madame dit non, tout le monde, les deux. Ici, ils ne sont pas d'accord non plus, c'est monsieur... Et là non plus, Michel, ça y est. Vous réglerez vos comptes après, hein. Alors, on continue, on arrive le soir. Le soir, après une dure journée de travail. Plaquette verte. C'est madame qui se couche le premier, la première. Plaquette rouge, c'est monsieur qui se couche le premier. Et plaquette bleue, bah, ça dépend du jour, hein, tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc madame vert, monsieur rouge, et ça dépend du jour, plaquette bleue. Ah, ils sont unanimes, bravo, un point chaque couple. Ça ne m'étonne pas, hein. Michel, le score. Michel a 4 points. Lulu a 2, 4, 6 points. Et 2, 4, 6 points. Ouais, il y a des questions de repêchage. De toute façon, si c'est nécessaire, on pourra. Maintenant, on va parler du travail dans le jardin. Le jardin ou la cour, enfin, petit jardinage. Hein. Plaquette verte, part égale. Plaquette rouge, monsieur. Plaquette bleue, madame. Vert par égal, rouge, monsieur, et bleu, madame. Alors ici, j'ai deux plaquettes rouges. Tout le monde est d'accord, c'est monsieur. Ici, tout le monde est d'accord, c'est madame. Et là, tout le monde est d'accord, c'est monsieur. Un point chacun. Allez, on lève. Vous pouvez regarder, hein. Bien. Monsieur Rapide, c'est bon. On continue. Alors,
On va, il est dans sa pharmacie, vous voyez, derrière son comptoir, et il y a trois clients qui vont entrer. Le monsieur va entrer le premier. Voilà, les dames suivent. Alors, le nord, vous restez de ce côté, vous n'avez pas passé derrière quand même. Ah bah, ouais. Alors, les dames suivent, le monsieur, normalement, c'est lui qui doit passer le premier, mais il n'a pas trop envie, il va, ça lui dit rien de, ça lui dit rien de demander son, ce qu'il va demander aux, ça lui dit rien de voir les dames. Oui, alors un peu d'aspirine, des papilles pour la gorge. Et un suppositoire. Qui se retrouve tout seul. On a le texte. J'aurais voulu une boîte de. C'est tout ce qu'il faut, quoi. Allez, allez, vous êtes tout seul, donc vous êtes... une boîte de Viagra. Je commence à venir. Non, non, pas belle, pharmacien. Non, mais pharmacien. Attends, je réponds. Bien sûr, monsieur. Pouvez-vous me montrer une ordonnance? Bien sûr, monsieur. Alors, bon, j'ai pas mes lunettes, ça fait rien. Non, mais j'ai une photo de ma femme. Voici tout, hein? Elle est pas mal, hein, la parenthèse. Vous voulez qu'on recommence? Vous allez voir un peu cette photo. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai pas d'ordonnance, mais j'ai une photo de ma femme. Bien sûr. Et ma femme, je suis divorcé. Alors, pour le Viagra. Merci de votre générosité. Non, non, merci, merci de votre jeu, hein, surtout. Il dit, j'ai rencontré une fille, elle a 40 ans. Oh, du moment. Non, 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 c'est vrai, quoi, tu parles. Oh, c'est pas vrai, tu me fais marcher, mais si, ben, je vois pas comment tu peux t'en sortir. Pour m'en sortir, ça va, mais c'est pour entrer que je suis emmerdé. Ah oui, il y avait encore les deux mêmes vieux. Ils étaient assis sur une bande d'église, tous les jours ils étaient là aussi avec ça à faire, puis ils regardaient passer les filles à ça, cet âge-là, on ne peut pas faire grand-chose. Et alors. À un moment donné, il y en a un, il était sur le banc, puis il se tortillait comme ça. Il dit, mais t'as fini de remuer, tu m'énerves. Ah, le gars, il lui dit, mais oui, mais il dit, tu comprends, j'ai une crise d'hémorroïde. Oh, si c'est que ça, j'ai eu ça au front, l'autre front. Ah, mais dis-moi, c'est pas au front, je l'ai laissé au cul. Bon, allez, si vous voulez danser un petit peu. Des champs, elle est belle.
jolie petite gueule. Mettez-le en route. Ça y est. Vous avez... Voilà l'image apparaît. Ouais. Voilà. Quand vous avez des différences de... Quand vous avez des fils de sang. Au beau milieu du Sahara, là-bas, là-bas sous les tropiques, il faisait très chaud, c'est pas comme là. Elle avait la peau basanée. C'était une noire, une merveille. J'avais aussi la peau bronzée. J'avais pas de chapeau de soleil. J'ai cru que c'était Zumba ou bien alors Bamboula. Mais elle ne s'appelait pas comme ça. Timichine et la Poupou, c'était son nom de famille. Timichine et la Poupou, c'était une bien jolie fille. Elle sentait le sable chaud. C'était pas mon légionnaire. Heureusement, ça ne serait pas beau si j'avais aimé un légionnaire. Ainsi passa une caravane. Nous devions prendre le retour. Elle me dit j'ai mal au tatane. Nous repartirons un autre jour. Ainsi loin du bruit et des villes, nous restâmes seuls dans l'oasis. Elle me dit tu es mon idylle. J'y réponds pourvu que je puisse. Voyant que je suis trop. Elle me dit ôte ton paletot. Car ici nous sommes dans les pays chauds. Timichine et la Poupou, nous connûmes l'aventure. Crois-tu que j'irai jusqu'au bout? Eh bien je me dis j'en suis pas sûr. Mais un jour elle me dit je m'ennuie. Je veux retourner dans ma maison. Ainsi partent toutes les jeunes filles. Sitôt qu'elles ont le bourdon, elle s'est perdue je ne sais où. Peut-être dans la forêt vierge, à Saint-Antoine de Padoue. Ben j'ai fait brûler un cierge. Timichine et la Poupou, Timichine et la Poupou, Timichine et la Poupou. Thank you.
c'est bon.